pays a déjà entré dans la phase de transition. Je dis, hein, c'est vrai, avant la mort président, il y a déjà des groupes qui tapent des transitions 2 ans, 3 ans. Donc, comme cadeau, et nous pratiquement dans l'anarchie totale, dans la mesure où ce gouvernement qu'il a, son gouvernement, comme j'aime à l'appeler, le gouvernement de Petite Dessalines, PHTK, Unité et Alliés. Donc, je pense qu'il faut rentrer dans une phase côté où il n'y a pas et sur place, que ce soit par rapport à la gestion de catastrophes qui passent dans le grand sud là, ou bien dans la gestion pays. Hein. Donc, le premier ministre n'est pas clair sur une feuille de route. Donc, personne ne va connaître pour combien de jours M. Ariel Henry là avec le gouvernement. Ça va oublier son gouvernement qui n'est pas sorti dans l'élection. Donc, la situation qui est plus claire là, qui est plus sage là, c'est que le premier ministre a une feuille de route côté, il dit pour combien de temps là, d'une part et d'autre part, qui ça l'a fait dans le temps li là. Donc, c'est ça, nous ne pouvons pas arriver à comprendre. Et c'est ça tout qui baille toute agitation sur le et groupe a rencontré à droite, groupe a rencontré à gauche, parce que en pile monde dans le pays a. Inquiet par rapport à l'avenir PIA, parce que PIA pratiquement un bateau qui est sans gouvernail, parce que celui qui est le chef du gouvernement, ainsi que son gouvernement, n'a pas gagné en feuille de route claire. Est-ce que là, vous faites élection? Est-ce que vous là et pour liquider les affaires courantes jusqu'à ce que vous ayez un accord politique? Donc, nous ne connaissons pas. Donc, c'est mieux que M. Ariel Henry. Et mettez les balises pour nous connaître exactement qui ça l'a fait là. En ce qui a trait avec les gens qui ont réuni un peu partout, je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes dans la démocratie et la liberté de réunion, d'association et les garanties. Mais il faut que vous mettez en tête surtout et que la société civile urbaine de Port-au-Prince n'est pas capable de remplacer. Et Mdakadou et l'ensemble des serviteurs de la vie nationale, parce que j'ai été dans la grandance et il y a des organisations représentatives tant que Corega, m'a pas un paquet de l'autre encore. Donc, il n'y a pas à connaître ce qui a passé dans votre presse, un peu partout à travers le pays. L'union qui a fait dans l'hôtel, il n'y a pas représentatif du secteur vitaux de la vie nationale. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons, M. Ariel Henry, faut qu'il y ait une feuille de route qui est claire. C'est l'accord, je pense, je dis, à qui tape crédible, c'est l'accord autour de la tenue des élections. C'est vrai, élection presque impossible dans fin d'année, mais élection tout pas fait un seul jour. C'est tout un processus. C'est la raison pour laquelle il faut que le gouvernement qui l'a jeté des bases. Pour être clair, est-ce que c'est ce conseil électoral qui commence le travail et qui a organisé l'élection? Donc, son conseil électoral, nous pensons, en pile partenaire politique, en pile compétiteur politique, et décrit le conseil là, est-ce qu'il y a maintenant bon replatage, est-ce que le conseil qu'il a changé, moi c'est le seul accord pour le politique que nous avons gagné, son accord, excusez-moi, autour du conseil électoral et la gouvernance démocratique. Donc pour ne pas perdre du temps, tourner en rond pour que le ministre paraisse tant qu'au monde qui par contre ça l'a fait, parce que je dis, hein, l'important pour M. Ariel, Oui, on dit, Garibodo, et que le gouvernement, ça qui a son gouvernement, PHTK, Petite Dessalines, et entre autres, organisation politique qui la donne. Et là, comme Gandado, il y a assez de légitimité pour qu'il y avance son élection pour quoi, sans qu'il n'y pas cherché un accord avec les forces vives de la nation pour qu'il y aille dans l'élection. C'est quoi ça, le monde doit comprendre ça? Bon, d'abord, moi, m'a dit, moi, c'est le gouvernement qui l'a, son gouvernement qui a liquidé les affaires courantes. Donc, un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes, ça, le doit gagner dans le Jacoutli, c'est d'abord garder les projets que l'administration précédente a commencé, parce que c'est fonds l'État. On prend, par exemple, Central Carrefour, qui c'est 60 MW, qui finit. Donc, le M. Ariel Henry a inauguré. Donc, je dis à nous connaître et un ministre central qui commence par de paix. Donc, est-ce que la fini, gain barrage Latanria, pardon, dans le nord, est-ce que la fini, gain un peu petit micro central qui commence Saint-Raphaël là, est-ce que la fini? Donc, moi, je pense qu'il faut gagner une sorte de
continuité de l'État dans le projet qui était engagé de fonds publics. Je pense qu'il faut que M. Ariel Henry regarde comment la finir avec. Oui, mais monsieur le député, au-delà de ce qu'on a expliqué là, il y a ça qui est urgent. Yo, inauguration centrale, bon, ça ne va peut-être pas être urgent pour vous, mais. Mon qui souterrain là et c'est pas véritablement inauguration ça d'ailleurs n'a regardé le Bukunya là pas même qui en capitale là même son mon qui en pile bon côté la CAO CDH Ibaou li bonne chance mais urgence qu'on est là est-ce que le pas ta doué nan remettre camper institution pays là pour que garder marrer ça qui ta doué passer par une entente entre tous les acteurs pour que ne pas retrouver nous après 2-3 mois encore élection faite là ou retrouver après 2-3 mois encore avec des élus contestés. Allez, bonjour. Dis-nous. Et n'a pas les inaugurations centrales là, justement, parce que dans la zone métropolitaine, il y a un bon problème d'électricité. Peut-être que ça ne peut pas résoudre dit de manière drastique, mais ça va le bail et plus de capacité pour bailler mon courant. Et pas oublier tout, insécurité à tout cas amplifiée. Regardez pour être plus fait 6 heures du soir, tout le monde court et entrer. Donc, on centrale électrique. Non, monsieur le député, monsieur le député, faut nous clarifier ça. C'est pas inauguration, c'est là qui va le faire bail courant. C'est le bail courant, t'as déjà sans le bail inauguré. Sur la crise politique maintenant. Donc, on pas quoi, il y a aucun accord politique qui est capable de remplacer institution publique. Je dis à promettre parlement campé, pas quoi son accord politique, c'est élection pour fête. C'est l'accord politique qui vous joint là, c'est sous comment nous capables bon élection crédible dans pays là, c'est pas sous comment nous allons d'accord ou changer gouvernement, changer directeur général, pas quoi c'est sous ça pour accord à joindre. Accord pour joindre là c'est accord comment pour nous faire de bonnes élections, pour capable bon parlement aujourd'hui qui pas contester, pour capable bon président dans pays là qui pas contester, parce que base on bail qui est important. Sous qui base des trois monde pas chita dans hôtel yo signé deux feuilles papier et puis yo rentré dans palais moi-même pas ca prendre groupe zanmim tout on prend qu'a faire politique dans pays a nous décidé tout n'a rentré dans palais dis-moi sous qui base est-ce que yo paye taxe m'pa paye taxe est-ce que yo haïtien m'pa haïtien est-ce que me sont étranger dans pays a m'pa connaît donc moi me pense que faut nous pas et faire situation qui là beaucoup plus compliqué c'est vrai gain des ambitions mais en a la souvi ambition yo en don processus électoral que n'importe monde qui gagne hein? Donc c'est lui même qui dirige pays pour un bon parlement légitime pour que par un gouvernement qui là qui prend des décrets d'akadou et qui pas et représenter intérêt peuple haïtien. Donc c'est vrai il faut dialoguer, faut bon dialogue, mais dialogue là c'est ce qui ça doit porter. Moi même opinion pas son dialogue qui doit porter sur la tenue des élections. Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Donc déjà, le conseil électoral qui a commencé ce travail-là, je pense que le processus électoral-là est capable de définir combien de temps on a besoin du gouvernement qu'il a. Mais pour moi-même, malgré son gouvernement qualifié de petite Dessaline, de HTK, Unité et Allié, nous-mêmes, nous sommes prêts pour aller dans les élections qui sont élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Et à quoi pour faire aujourd'hui? Je dis à Anzi, mandat tout juge dans CSPJ au fini. Monsieur Ariel Henry a remplacé. C'est pas comme ça, loi sous CSPJ a dit. Donc c'est vrai, il faut gagner l'élection, il faut gagner le Sénat, il faut gagner le président de la République. Et seul Jean pour nous faire, c'est sous comment nous pouvons organiser l'élection. Bonjour, monsieur le député. Il faut qu'il y ait la sécurité dans le pays. Il faut qu'il prépare la rentrée des classes. Monsieur le député, le président Jovenel Moïse, là, ça a empêché de faire l'élection. Bon, moi-même personnellement, je suis dit, bon, président mouri. Et moi-même, pense que le président parle là, peut-être qu'il y a des discussions, il y a des échanges nous avons avec le président aujourd'hui, hein, qui peut-être pas nécessaire pour une grande public. Donc, le président Jovenel Moïse n'a pas fait élection parce que le président a ouais, nécessité pour changer la constitution. Et dans le changement de constitution, hein, et nous pas de joindre, ça c'est opinion pas moi, nous pas de joindre, on large d'Akadi adhésion dans le processus de changement de constitution. Ça pour le président a fait, c'était mettre le pays sous rail élection, pas de faire ça, aller entrer dans un référendum pour une nouvelle constitution. Commencer déjà, c'est juste besoin. Donc le pays a déjà un mode électoral. Maintenant, comment organiser les élections pour pas de contestation, pour ces 100 millions de dollars? Dans le jeté,
à ce moment-là, moi-même, je n'ai pas la formule magique. C'est la raison pour laquelle tout le monde cap dit. Monsieur le député. C'est fort au discours. Gen en pile bagaille. Bon, faut que moi dis que après assassinat Jovenel Moïse, 7 février. Oui, autant de nos députés. Faut que nous dis, après assassinat président Jovenel Moïse, 7 juillet, ce passé là, pratiquement pas grand rien qui changeait sur l'échiquier politique et social là. C'est pratiquement même bagaille. Insécurité est toujours là. Gagne toujours même gens. Ou démonstration yo fait pendant toute semaine qui se passe là. Et conseil électoral décrié ça, Jovenel Moïse te mette campé pour contre lui, qui pas jamais prêté serment devant la Cour cassation. C'est toujours même lui-même qui là. La police est toujours dans la situation où on est depuis les Jovenel. Rien pas changé. Donc tout ça, mon acteur politique et qui dans la société civile a demandé, les Jovenel Moïse là, c'est toujours même schéma qu'il a toujours. Donc, vous voulez pour que y ait l'élection comme ça toujours, monsieur le député? Non, même pas c'est grand pile bagaille qui change. Expliquez. Où est-ce qui ça? Souvent, dit qui ça change dans le panorama politique. Là, Mabdou. Dis-nous, non, s'il vous plaît. Donc, on nous dit, ceux qui ont assassiné Jovenel Moïse, non seulement ils ont assassiné Jovenel Moïse par rapport à un projet économique qu'ils ont défendu pour la majorité des peuples haïtiens, mais qu'on s'attouille à assassiner pour un projet politique. Donc, on garde pour nous, depuis Jovenel Moïse mourir, donc, débat sur référendum, non, ou presque pas attendre dans la société. Bien que tout le monde reconnaît la nécessité pour changer la constitution, il ne faut pas avoir hypocrisie. Vous faites enquête là, oui, député. Jovenel Moïse assassiné par une frange de l'opposition qui mélangeait avec Ndakazo, en frange. Dans l'oligarchie, à secteur réactionnaire, sans ça, son secret de polichine lié, c'est un assassinat politique. Donc, il y a eu. Mais pas besoin d'enquête encore, non, là, député, tout bas est fini, une enquête là, est fini. Non, mais bon, vous avez dit ça. Mais non, Mando, parce que là, où déjà, et ouais, qui est-ce qui a assassiné le président, monsieur le député? Non, mais l'Istinzia, il y a dit, on va dire. Non, ça m'a dit. On ne va pas parler avec les citoyens, ça va m'en parler là. C'est une des jeunes qui me dégagent ça. Je dis à comme qui pour mener une telle opération comme ça. Je pense que c'est sûr que les cap de conférence de presse toute la journée dans la radio leader politique. Je suis sûr qu'on va faire comme ça. Mais c'est sûr que nous ne pouvons pas être nous mentir. Tout le monde veut ça qui passe là maintenant. Dire que pour organiser les élections, c'est deux, trois personnes qui pourraient le signer au papier dans l'hôtel. Moi, je pense que ça, c'est faux. Et il y en a un monde qui me critique en pile, c'est Joseph Lambert, parce que Joseph Lambert, avec 10 sénateurs en bas, pour moi-même, c'est seul monde qui a gagné légitimité pour accompagner un processus. Malheureusement, et Ndakadou, Joe Lambert, il a toujours été un manœuvrier politique, une étape qui n'a jamais franchi. Donc, si je suis dans la place de Joe Lambert, je suis installé dans le palais national. Donc, je dis à pour moi, qui est ambassade qui a mis en dehors, pour moi, et qui groupe armé qui tape une mettre d'ailleurs. Donc, Joe Lambert pas fait, Joseph Lambert pas fait, Maron qui blocage lié. Donc, je dis à M. Ariel dans Primatia, il faut que nous comptions avec elle. À ce moment-là, il faut que nous tenions compte du gouvernement qui l'a pour en feuille de route. Ça veut dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez parlé à votre président. Madame Dim président, qui sous qui base Ariel dans Primatia? D'ailleurs, mon Dim. On va dire sous base qui ça, un accord politique? Non, président, tu es en nomélie avant de mourir, de pas co-installer, mais au moins de gagner une nomination. Ok, il était bonne nomination. Oui. Ok, est-ce qu'il était installé? Non, nous disons que le pas co-installer. Mais Ariane Henry, c'était expression dernière volonté président avant de mourir, avec une nomination officielle dans le moniteur. Non, pas de problème, non. Une nomination officielle. Je ne vais pas entrer dans ça, je veux dire, parce que pour moi-même, ça n'est pas important. Et en plus, c'est un bel tweet de quoi groupe là? Bon, je ne vais pas entrer groupe là. Je ne vais pas si c'est vous-même, si c'est Geoffroy qui c'est des Haïtiens. Non, député, où est-ce que groupe là? Où est-ce que groupe là? Où est-ce que c'est si vous syndicat dans le pays à créer le groupe? Encore une fois, bon, nous avons bagaille et Geoffroy, nous-mêmes qui jeunes, génération PAM, génération pour là. Conseil de bagaille, il ne faut nous pas accepter dans le pays à. Moi-même, où est tout a été fait après la mort de Jovenel Moïse? Donc, même pas quoi, je dis, hein, c'est l'ambassadeur qui peut décider qui ça tweet. Je veux dire, on va dans quoi. Tout le monde va venir négocier avec Ariel. Bon, étape, il n'est pas franchi. Il n'est pratiquement pas entré dans le palais. Donc, même prend acte, je dis, c'est Ariel qui est en place. Pourquoi ne pas négocier avec M. Ariel pour
aller vers des élections. Est-ce que bon là, bon sorte de peur, bon phobie de et du peuple du suffrage universel. Donc moi même quand parler à la m'pa connait qui mon peuple va le mettre président, qui mon y a voté. Même ta aimé bon élection, voter pour nous suspendre d'Akadi à prendre parole dans nos majorités. Pour que moun qui prend parole, yo, c'est moun qui a légitimité pour ça. Et ça doit se faire à travers les urnes. Okay. Mais avant ça, monsieur le député, où est tout le travail qui gagne pour faire? Et depuis bien avant, Ariel a été monté sous le président Jovenel Moïse, les classes politiques là, tu as demandé pour qu'il y ait un ensemble de bagailles qui fait. Par exemple, question carte d'identification nationale avec des malades qui n'ont pas fait confiance. Question CEP, ça me retourne sur lui encore, comme on a comprendre, et après pour préciser ça, dans une ou deux minutes, nous étions là pour nous passer ensemble. Est-ce que dans GEPO, le conseil électoral, ça a aussi décrit qu'il paraît là, et est-ce qu'il a mené dans les élections? Et il y a la question de la sécurité et gang armée qui pratiquement va y en métropolitaine là ou pas intervenir sur ça nous pas grand-pile temps mais on a 2 minutes pour élaborer sur ça monsieur le député. On nous courir pour dire que conseil électoral qui là si acteur pas senti en confiance pour aller dans élection avec à ce moment-là il faut un accord parce que les élections pratiquement c'est l'affaire des partis politiques, c'est partis politiques qui prennent le candidat, c'est eux qui voient monde dans élection. Donc si tout acteur non, pour ce que ça dit, on va confortable avec, à ce moment-là, il faut qu'il change. Mais le concept décrié, et même parce que ça très relatif, donc dépendamment si le parti politique ici, au moins là, tu contrôles le CEPA, c'est un petit bon CEP que tu as gagné, mais si tu dis on va confortable avec, il va changer, pas de problème. Sur l'insécurité, l'insécurité, aujourd'hui, on dit c'est des politiques publiques qui vous mettez en place. Ce n'est pas un accord politique qui va le faire gagner sécurité. Je dis à la des autres qui fait sur l'aéroport là, même si c'est un accord politique, si vous l'avez fait, l'État toujours fait. Okay. Moi, c'est le renforcement de la police nationale, c'est le renforcement de la justice, parce que je dis, parce que la justice a un pile problème pour le résoudre. La police doit arrêter un bandit après quelques mois, ou est, par exemple, un juge d'instruction la gueule. Donc, moi, c'est un bon travail qui peut faire au niveau et ministère de justice, au niveau sacrété de CPJ, pour que doyen yo pour que toute juridiction, tout avocat, tout système, on mette ensemble pour voir comment on est capable de résoudre différents, pour capable résoudre problèmes de justice. Mais surtout, c'est le renforcement de la police nationale qui va permettre de résoudre problèmes de sécurité. Je ne crois pas que ça soit un accord politique. Donc, si c'est un accord politique, ça veut dire que c'est le leader politique qui est derrière la sécurité. Mais encore une fois, m'ouvert pour toute discussion, m'ouvert pour ils se mettent ensemble pour que ce n'est pas qu'un groupe qui vous dit, qui est le premier ministre, qui est le premier ministre, quoi que ce soit. Mais cependant, je dis, à quoi que vous venez, c'est pour le bail date élection, à quoi que vous venez, c'est pour tamer le processus électoral. Là. Donc, pour quatre démarches, là, je pense que c'est plus bon, quatre d'identifications, moi, pays à l'âge, je me connais. Donc, si vous avez un problème, vous avez appris des techniciens pour auditer tout le processus démarches, là, pour voir si le pas bail élection en problème. Donc, nous sommes ouverts. Mais à ce niveau-là, mes amis, par en tête, nous n'avons pas dit, comme des gens qui ont des super pouvoirs, vous n'êtes pas des députés, des sénateurs, des maires qui ont été élus. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir dans un hôtel et puis pour pas soit décider pour la République d'Haïti. Ni les gens qui viennent craser un compte qui a fait dans l'hôtel, il faut nous suspendre parce que la liberté d'association, la liberté de réunion, nous garantit dans le pays depuis après 86. Voilà, merci en pile, monsieur le député, pour vous parler ça. Bonne journée. Merci, Jeffrey. Voilà, ancien député, président, chambre député, Gary Kibodo. Sa transition.